c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la playroom sur l'épisode 2 et Dangerous Horizon. Et donc aujourd'hui un petit début de vidéo un petit peu particulier parce qu'on venait sur internet. Il y a aujourd'hui, chers amis, dans les news de Galnet, une annonce concernant la vente de Meta Alliage. Vous vous rappelez qu'on en a parlé dans la vidéo, dans la dernière vidéo, compte tenu du fait que c'est un alliage nécessaire, enfin un matériau nécessaire à l'amitié avec une ingénieuse, si je me trompe pas. Donc je pense qu'on va aller se rendre dans le système, dans le fameux système Maya. Donc je vais vous faire la traduction. Les leaders les leaders financiers de Daniel's Progress dans le système Maya ont annoncé une vente de méta alliage. Leur porte-parole Larry Oldman nous a dit ceci. Nous avons une certaine quantité de méta alliage. Et dans le climat actuel, nous serions fous d'ignorer les revenus potentiels que cela pourrait nous donner. Les chercheurs, incluant le professeur Palin, ou Paline, vous le dites comme vous voulez, qui opèrent donc dans le même système, ont déclaré que c'était un geste particulier. Je sais pas comment je pourrais dire ça, traduire ça. J'ai pas de traduction, faudrait que j'ajoute un truc de traduction. Nous ne connaissons pas Unwise, peut-être sans portée. Enfin, de portée inconnue, parce qu'on ne sait pas en fait, justement par rapport à la suite. On ne connaît pas le potentiel complet de ces matériaux et les vendre à n'importe qui. Ce ne serait pas. Je sais pas. Ce ne serait pas malin en fait, je pense. Les vendre à des gens qui ne sont pas à même de. Les vendre à n'importe qui, pardon, pourrait être la recette d'un désastre, d'accord. Donc voilà, bah écoutez, je pense qu'on va aller dans le système, dans le fameux système Maya, en tout cas on va voir où est-ce qu'il est, et on va se retrouver dans le jeu, à tout de suite, chers amis, à tout de suite. Bon, re, chers amis, je vais pas vous mentir, c'est assez loin, c'est assez loin. Nous sommes dans le caca, justement c'est dans la Pléiade en question, Pléiade Nebula, autrement dit, oh là 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 là. Autrement dit, on est assez dans le caca. Ce que je vais faire, c'est que je vais y poser un favori. Je vais faire ça comme ça. Vente ponctuelle de méta alliage. Voilà, en espérant que la sauvegarde se fasse bien. Parfait. Ouais. Et on va faire ça comme ça, oui, je pense, ça va être parfait. Donc, nous, chers amis, on va se concentrer un petit peu plus sur nous, tout simplement. on va se rechercher, j'espère que ça va réinitialiser la carte de la galaxie, ça va être parfait, voilà, parfait. La carte de la galaxie, on va garder la fédération au plus proche. J'aimerais bien que ça m'enlève ça, par contre, merci. Donc il me semble qu'ici c'est ce qu'il y a de plus proche, 20 années-lumière, Shacobug, ici on a 23 HIP, ici on a Kongi à 25, ça me semble pas trop mal à vrai dire. On va commencer par Shacobug, il y a 2,3 millions de personnes dedans, une étoile blanc-jaune G, on peut recharger dessus, ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce que ça indique qu'il y aura économie, situation en guerre, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on va forcément avoir beaucoup de combats. C'est extrêmement intéressant. Je vais le mettre en système. Donc, système de farm de fédération. Je vais mettre ça. Modifier. Hop, voilà. Mince. Shacobug. Hop. Farm. Qu'une. Hop. Fédération. Voilà, ça, je saurais qu'il faudra que je vienne là, en tout cas, pour ce premier G, entre guillemets. Voilà, parfait, ça s'est bien passé. Et on va s'y rendre, on a deux sous à faire pour s'y rendre. Ça va être extrêmement rapide. On y va. Hop, moi je regarde l'horaire. Que je fasse pas des épisodes trop longs. De toute façon, je vais commencer dans pas longtemps à farmer les épisodes pour pouvoir avoir ces fameux 15 jours de répit, si je puis dire. Hop. Voilà.
Par contre, ça va se dérouler. Ah la vache, ça va être à l'opposé. On va pas pouvoir s'y téléporter tout de suite. Ok. Alors, par contre, j'ai un gros souci de casque. Alors, vous voyez, certains se plaignent, chers amis, que je réclame de l'argent pour les 300e épisode de Robocraft, mais je vais en avoir malheureusement besoin. Mais bon, je vais faire autrement, je vais me débrouiller. C'est pas comme s'il me fallait un joystick, un casque. Oh la gueule. Et apparemment un clavier aussi, parce qu'apparemment tout le monde, ça gêne tout le monde d'entendre mon clavier dans cette série. Bref, c'est le bordel. C'est le bordel, chers amis. Mais bon, ce n'est pas grave. Hop, on va prendre de l'altitude. Allez, tu peux faire mieux que ça. Plus vite. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. On va te tracer 100 km. Parfait. Ah, on m'envoie un texto. Non? Ah non. Intriguant. Je l'aurais juré pourtant. Alors. C'est bon, il s'est reverrouillé tout seul, c'est parfait. On a une vitesse qui est plus que correcte pour une sortie d'atmosphère. On va pouvoir commencer à trouver un petit peu notre axe. Donc au moins on est au courant. Vous êtes au courant aussi, chers amis, vu que les vidéos vont sortir assez de manière assez récente pour l'instant. Hop. Alors là forcément il y a la planète, donc je n'ai pas envie d'y aller. On continue. On va pas encore assez vite. Allez, on va arriver au 1000, mais au 1 mégamètre seconde. Ça y est. C'est pas encore épique, hein. Soyons honnêtes, c'est pas encore épique. Ok, on est bon. C'est parti. Oh là là, j'ai plus de stéréo dans mon casque du tout. Alors c'était la maladie de ce casque là, j'ai mon précédent casque qui était exactement le même modèle. Me fait exactement la même chose. Le problème c'est que la qualité de son était vraiment excellente sur celui-ci. Ah, j'entends qu'il pète dans mon cadre, dans mon oreille droite. Alors attendez, c'est le bordel monstrueux pour avoir du son correct. Heureusement vous n'avez pas ce problème là normalement. Bien que je sais que le micro que j'ai, le Yeti, est assez assez pointilleux, on va dire. Hop, un petit coup de détecteur. Rien du tout. Dommage. Hop, on peut repartir de toute manière. Et nous voici donc à Chocobog. Hop, les... Hop, on tourne. Et donc, qu'est-ce qu'on a de proche, chers amis? J'ai dit de proche, mais pas aussi loin. Ok, on a une balise, on a une planète avec deux... D'accord, on n'a pas grand-chose en fait. Ah la vache, c'est assez loin pourtant. Ok, on va y faire un tour. Je m'attendais à mieux, je l'avoue. Hein. Je l'avoue, je l'avoue. Ça devrait être assez rapide vu qu'on est déjà avec une bonne vitesse. 2000 SL, ça devrait prendre à peu près une minute, je pense. Si tant est qu'on se passe pas attaquer, ça pourrait être sympa. Vu qu'on est dans un système en guerre, normalement, c'est une voie commerciale. Intéressant. Intéressant qu'une voie commerciale soit en guerre, c'est donc un parti avec des partis politiques, à mon avis, qui sont assez riches. On est passé de touriste à éclaireur, chers amis, vous voyez, à 91%. Je viens de le voir. Il me semble qu'on était touriste dans le précédent épisode. Je ne sais plus. En tout cas, on n'a pas eu d'infos au niveau de... Voyons, on n'a pas eu l'info, c'est dommage. Ok, pourquoi pas. En tout cas, on a quand même passé d'un rang, je suis content. Toujours bon à savoir.
Plus on aura ce rang là, forcément, plus ce sera pratique au niveau de certains. Tiens, d'ailleurs. Y'a pas quelqu'un qui réclamait que je sois genre très. 5 marchés noirs. Blue Mafia. Ouais, c'était lui, je crois. Non. Voilà, voyageur. Ah, j'ai fait au moins 300 années-lumière. Bah écoute, je me balade. Hein. C'est un jeu avec de l'espace dedans. Hein. Je m'y balade, moi, personnellement. No soucis. Hein. Tiens, il est déjà midi. Oh, la gueule. Alors, nous en approchons et nous avons ici une source de signal non identifiée. On va essayer de s'en approcher un petit peu. Tir détecté. Oh là! Prépare-toi, Shane. Shane Blumel. Eh bien écoutez, vu qu'il a l'air d'être en forme. Vu qu'il a l'air d'être en forme, on va couper les moteurs. Et nous allons bien voir. Ok. On va y passer. Ah la vache. Oh, c'est un cobra. Mafia of Chocobog. D'accord. Putain, il m'a fait vachement mal. Voilà. Viens me voir. Viens me voir. D'accord. Tu veux te la jouer comme ça. On va la jouer comme ça. No soucis. Tiens, regarde celle-là. Target cargo drop. What the fuck? Why? Ah bouffe. Raté, dommage. Non, je suis désolé, il m'a attaqué, je vais pas m'arrêter. Hein. Hop. Il m'a attaqué, j'ai aucune raison de m'arrêter de le buter. Hein. On se calme. Hop. Demi-tour. Désolé, mais là, j'ai aucune raison de m'arrêter. Je sais pas ce que je me suis pris. Non, non, tu t'enfuiras pas. Voilà. Merci de bien vouloir repasser. Dans 10 ans. Voilà. On va s'approcher de sa soute. Non mais oh, attends. Ah, on a encore un bug d'interface, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Oh là là, oh là là. Ok. On y va. On va laisser aller chercher les objets. Ça vaut toujours le coup de récupérer les choses, vous le savez maintenant. Alors. Nouveaux matériaux. Émetteur de bouclier. C'est bien, on récupère. On va laisser le truc récupérer tranquillement. Il a lâché une cargaison aussi, il me semble. Faudra qu'on aille voir ça. Hop, nouveau matériau. Émetteur de bouclier usé. Hop, allez, vas-y. Je crois que ça vient de mon... du fait que je sois en mouvement au niveau de mon joystick.
Vu qu'actuellement je suis entouré de. De comment? De. D'amis, entre guillemets. Hop, allez. Putain, il est, je crois qu'il est complètement en train de, il est complètement en train de lâcher mon joystick. C'est la catastrophe. Allez. On va se balader, on va aller récupérer le reste. Arme incapacitante. Protection réactive. Hop, on y va. Hop. On s'en approche. Hop, vas-y. Récupère déjà ça. Illégal. Non. Non, non, illégal, c'était marqué. Comment ça, marchandise illégale? Illégal. Non, bah écoutez, on se barre. C'est que de la marchandise illégale, j'ai pas envie d'avoir affaire avec ce genre de commande de personnes. Sur le principe du fait. Ah oui, j'ai oublié de ranger mes armes. Hop. Voilà. Ah non, si on veut absolument se mettre dans les bonnes grâces de la fédération, c'est pas mettre de la truc illégale. Non, 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 non. Faut pas jouer au con. Voilà, parfait. Ok, oui, non, non, faut pas jouer au con non plus. On va pas jouer au con, chers amis. Allez, en douceur. En douceur, en douceur. En douceur, en douceur. Saloperie de mobylette. Est-ce qu'on va se refaire attaquer? Je ne pense pas. Oula, c'est par là. Hop, elle est derrière la planète, du coup on va s'écarter un petit peu. Pouvoir profiter un maximum de notre accélération. Hop. Oh, il décide des créations de ressources riches. Ça peut être intéressant si on veut aller farmer juste un petit peu les primes. Excusez-moi, je crois que je vais avoir le hockey bientôt. Ça va être violent. Alors, 3, 2, 1, hop. Nous voilà partis. Paradis désactivé, verrouillage de destination activé, c'est parfait. Tout se passe bien. Tout se passe bien à ceci près qu'on arrive dans le mauvais côté. Génial. J'espère qu'il y aura des traductions françaises des voix. Ce serait vraiment cool. Ça me semble normal qu'il y ait ce genre de traduction. En tout cas dans un jeu vidéo. Bonjour. Zero seven. Roger. Hop, et si on attrape un petit peu plus RP, ça pourrait être sympa. Hop. Et ben non.
façon, j'ai rien d'illégal dans ma souk. Il aurait fallu que j'en ai d'ailleurs. Si j'en avais eu, j'aurais pu. Oula. Je peux pas de bouton en plus. Si j'aurais pu avancer dans un. Dans un ingénieur. Voilà. Entrée dans l'hangar, service de spatioport. On va aller voir ce qu'il y a comme mission dans le coin. Faire le plein, ravitailler tout, parfait. Équipementier, on n'a pas besoin. Normalement. On peut aller voir vite fait le chantier naval pour voir ce qu'ils ont. 9. Ils ont un type, un T9, oh là là. Oui d'accord. Un T7, Fédéral Dropship, d'accord. Ils ont beaucoup de vaisseaux fédéraux. Diamondback Explorer. Diamondback Scout. Ça peut être intéressant tous ces petits vaisseaux. Moi je les ai pas donc j'aimerais bien les avoir. Mais bon, ça coûte cher d'avoir un vaisseau. L'entretien, tout ça. Tableau de mission. Retrouvons ce tableau de mission amélioré qu'on a depuis la 2.1 du coup. Alors. Conseiller, contrôler une faction, influence du système, d'accord, et sort économique, d'accord. D'accord. Ok. Conditions non remplies, mission d'élimination politicien, d'accord, ok. Faut être amical avec eux, on est que neutre. D'accord. De transport, il n'y a pas un peu plus de... Enfin, je sais pas, vous êtes en guerre, les mecs, quoi. État guerre civile. Pouah. Bien, les mecs. Bien. Bon. Bah, au nom de la démocratie, on va aller à 31 CFEI. Vous des vaisseaux hostiles, sur la mission de ce sol par un échec, cela peut se traduire par une amende. Planifiez voyant en utilisant la carte pour assurer que votre itinéraire est plus est viable. D'accord, d'abord on va commencer par, par la planification de l'itinéraire. Ah. L'interface est vraiment buggée en ce moment. Vous voyez, j'arrive pas. J'ai beau cliquer à l'endroit. Faut cliquer là en fait. Et là, hop, voilà. 31. C'est fail. Je me suis planté. Ah, fiche. Bah si. Ok, c'est là. On a deux sauts pour y arriver. Si on fait en itinéraire rapide, on a un saut. Ça me semble que ça devrait être bon. Allons-y. Hop. Réputation plus 2. Enfin, 2 plus. Plus plus et influence plus plus, on va dire ça comme ça. On a un autre assez fail, livraison de rapport interne, parfait. Est-ce que ça se passe au même endroit? Zolinport, ici on a... Zolinport, parfait. On va multiplier nos... enfin, augmenter nos gains. Accepter. Ce qui va nous faire augmenter aussi notre réputation au niveau de ce système, enfin, en tout cas de ce groupe. Cette sous-faction. D'accord, bon bah écoutez... Pourquoi pas? Conditions non remplies, popon, chocabog, et ici rien du tout. Donner 125 000 à la cause, peu de torcher. Ok, bon bah on y va. On va faire plaisir à cette faction. Le plus embêtant, ça va être qu'il va falloir revenir en fait ici. Faire les 2000 aisselles. Mais bon, c'est pas grave. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme on dit. Alors. Ok, en douceur. On est bon. Ok, c'est parti. Je me trompe le bouton. Ok, on y va.
réduit, enfin on s'échappe du champ de gravité. Parfait, et on y va. Oh, j'ai rien fait de mal, monsieur l'agent. On a des vêtements, des matériaux. Donc on peut voir des matériaux avec une seule petite plume à moitié. Deux plumes et trois plumes. J'imagine que ça correspond à la rareté du matériau. Vous savez, un petit peu comme commun, non commun, rare, épique, légendaire. Je pense que ça doit être ça un petit peu. C'est le principe. Ok, donc Zolin Porte. Pourquoi on a un petit truc autour? Est-ce que ça veut dire qu'on a des missions sur place? J'imagine que oui. Tiens donc. Appel de détresse, menace 2. Menace 2, ça peut être un petit peu trop. On va bien voir, on va se faire un petit peu d'action, chers amis. Hop, on va se faire comme ça. Vu qu'on est en menace 2, ça peut être un petit peu trop. On va bien voir, on va bien voir. On se met les bonnes armes à l'avant. Je peux pas les mettre. Je ne peux pas déjà les mettre. Si, ça y est. Faut juste que je bourre le bouton. Oh non, arrête tes conneries. Hop, voilà. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? What the... Rien fait, toi. Tu veux te la mettre, y a pas de souci. Hein. Hop. Faisons en sorte que chaque tir compte. Hop. Non, bah non, c'est pas la peine. Hop. Ça aurait dû chauffer, ça aurait dû sortir une truc. Non, non, c'est pas la peine, on rentre. On se barre. Ça sert à rien de nous faire du mal. 4, c'est beaucoup trop. Hop les, on fuit. Ça sert à rien de se faire du mal. Zolin Porte. On va pas s'embêter. On garde tout dans le système pour recharger un maximum de boucliers. Même histoire d'en être sûr. Où est-ce qu'ils sont? Sur Volter. Voilà. On va laisser recharger au moins plus vite possible. Non, je crois que ça marche pas comme ça. Non, de mémoire, non. Non, non, de mémoire, ça changera rien. C'est pas grave. C'est quand même fait agresser. Hein. Mais bon, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. J'aime pas quand ils disent que tu vas crever la gueule ouverte. Mais enfin bon, c'est comme ça. 4 ennemis, c'est beaucoup trop.
Surtout quand on voit l'armement qu'ils utilisent. Hein. C'est assez impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Allez, on y est presque. Alors. Parfait, on y est. Ça, c'est bon. Alors. Ça fait longtemps qu'on s'est pas arrêté sur une sur un avant-poste. Sur un outpost. Docking request granted. Merci. Par contre, je vois pas du tout l'endroit où je dois me garer. Je ne vois pas du tout l'endroit où je dois me garer. Est-ce que ce serait devant là? Alors. Où suis-je? Qui suis-je? Dans quelle étagère? Je viens de voir qu'on a un truc en haut à droite, pardon, excusez-moi. D'accord. Oh non. Bon alors, c'est censé être où que je me gare? Ici. Wouhou! Ok, on y est. Ok. Évitons de nous secouer un petit peu de trop. Voilà, ça devrait le faire. Ok, on est bon. Entrée dans l'hangar, service de spatioport. Je suis désolé, moi je suis un mec réglo, chers amis. Je ne prendrai pas trop de risques. Pas trop. Alors, patientez. Ça commence à être un petit peu long. Ah bah voilà. Livrer 15 unités. Voilà. Déjà ça c'est bon. Et ici, livraison de rapport à interne. Récupérer la récompense. Incoming message. Le bon fonctionnement de votre de nos services nécessite que les enfants. Si vous avez un statut amical envers une superpuissance avec laquelle la faction est alliée, ça améliorera plus rapidement la performance de A l'inverse, si votre réputation se retrouve entachée, cela se fera plus lentement. D'accord, on a effectivement un statut amical, donc on gagne un bonus au niveau de la commande de la réputation sur la sous-faction. Ah, un boom économique, ça pourrait être sympa. Ah, c'est sympa d'avoir autant de. Ouais, j'aime beaucoup. 1 million. Putain. Pratiquement 1 million d'offert. Est-ce qu'on a un retour sur chaque... Bah voilà. Ça je prends. On a un retour sur chaque box, c'est très très bien. Par contre ça met vraiment une demi-heure pour récupérer une mission. Chaque box rien. Ici, chaque box rien. Chaque bug rien. Rien du tout. Rien, on n'aura rien ici. Ok. De mémoire. Je vais juste faire un petit essai sur l'ami sur un truc et je reviens. A tout de suite. Donc non, il n'y a rien entre ce système au niveau du marché qui intéresserait le marché de Chocobug. Dommage. Bon bah écoutez, on va faire un demi-tour. Je vais juste regarder vite fait si j'ai rien dans mes contacts. Non, rien à payer ici non plus. Ok, parfait. Bah écoutez, on y va, chers amis. Si, j'aimerais juste aller vite fait faire un tour. Universal Cartographics, on en a pour combien à peu près pour l'instant? 34 000 vendu. On aura 31 CFA justement à revendre plus loin. D'accord. Ok, on y va, on décolle. Éclaireur 91%, on va voir si ça va avancer un petit peu. Alors, Zolin porte, on peut mettre les phares aussi.
Hop, c'est parfait. On y retourne. Je vois qu'on a une notification. Une nouvelle. Nous avons le plaisir de vous informer que votre réputation auprès de la fraction mouvement de Chocobo Equality s'est améliorée et que vous êtes désormais populaire. Par exemple, dans notre compte et votre réputation auprès de nous devrait continuer à me bénéficier. D'accord, c'est sympa. Merci. C'est sympa ce genre de petits détails, je trouve, moi. Hop, on y va. Allons-y. Nos boucliers se sont bien remis. C'est tant mieux. On peut se mettre full moteur et un petit peu de système, ça va être suffisant. Hop. Alors oui, effectivement, ce serait bien que de me mettre le... Je suis stupide, excusez-moi, c'est moi qui tourne en rond comme un con. Chocobug. Chocobug, pardon. Hop. Ok, on y est. Crac. 3, 2, 1. Ah, même pas. Bon, bah, j'ai mal compté. 4, 3, 2, 1. Engage. Po! Voilà, c'est bon. Alors. Alors. Où est Trin Enterprise, on y va. Quelques SL à se faire, malheureusement. Ou heureusement, hein, vous voyez comme vous voulez, chers amis. On va peut-être se faire attaquer, Romain. Alors. Toujours mal à la gorge, moi, de toute façon, c'est chiant. Hop, je mets mon épisode. Cordialement. La direction. Voilà. On va appeler ça comme ça. Crac. Alors. Bon, on approche toujours assez vite, hein, de toute façon, dans tous les cas. Qu'est-ce qu'on peut en profiter pour faire? Regardez, on a passé 2%. On a gagné 2% au niveau du rang d'exploration. C'est toujours ça de prix. La fédération, on est toujours amical. Rang majeur. Il faudra qu'on fasse des quêtes pour la fédération. Pour grimper dans les rangs. On a 2 moteurs à articulation. Rien de bien. On va couper les phares. Voilà. Ah, intéressant. Voilà. Oh, quoi qu'on peut l'augmenter un petit peu. Voilà. Oula, où est-ce qu'on est? C'est pas bon parce qu'on a potentiellement gagné de la vitesse en fait. Je vais baisser un petit peu. Voilà, ça se passe pas trop mal. Ça va être 14 000 de plus, hein. c'est pas épique, hein. Plus les 40 000 qu'on a dans la zone. On verra bien. Ah, attendez. Émission encodée détectée, on va y aller. On va aller voir ce que ça vaut. Menace 0 pour le moment, j'imagine. On a des amis dans le coin. On va aller voir, ça fait un petit peu d'action. On est déjà à 30 minutes d'épisode. Hop. On se met bien en face. Alors. Excusez-moi, j'ai des vieux tics avec mes dents aujourd'hui, enfin depuis quelques jours, c'est chiant. Faut vraiment que j'arrête, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors,
Parfait. Effectivement, il y a eu des dégâts là-dedans. Je me suis planté de bouton, c'est ça? Ouais, je me suis planté de bouton. C'est pas grave. Je me suis planté de bouton, c'est pas grave. Collecteur. Un peu froid dans le truc. Ok. Ok, on y va. Non. S'il m'en ramène qu'un, je suis dans la merde. S'il m'en ramène qu'un, ça fait chier. Oh, pardon. Excuse-moi. Voilà, c'est bien ce qui semblait. Donc j'ai chié dans la colle. J'ai chié dans la colle. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça va venir, chers amis. Ça va venir. On va le laisser faire son boulot. Peut-être même s'approcher un petit peu. On s'approche tout doucement. Tout doucement. Hop, c'est bon, on va s'arrêter là. On va attendre qu'il chope tout ça. On va attendre qu'il chope tout ça. Et ce sera bon. Ça change le genre de mission en plus. Ça nous fait un petit peu plus de RP. Je trouve, enfin pas forcément de RP, mais plus de diversité dans les épisodes, je trouve ça sympa. Ah, on doit être en proximité, oui, effectivement. Il nous met une alerte proximité tout le temps. D'accord, on n'a pas de problème. Oh. Ah ah! Ce modèle classique a lui aussi traversé les siècles, puisqu'il sortit des chaînes de production de Watt and Prittney Chip Construction en l'an 2700. Il en a suivi à une série de fusions d'acquisitions. Il est désormais fabriqué par Falcon Delacy. Toujours aussi lent et robuste qu'autrefois, il connaît le service actif au sein de certaines flottes mineures. Il y remplit le rôle de croiseur, aussi minuscule soit-il, comparé aux interdicteurs impériaux et aux croiseurs de combat de la Fédération. D'accord. Ok, on est bon. On est bon, on est bon. On ramasse ça. On ramasse ceci et on y retourne. C'est derrière nous. Hop, on est parti. Livraison de données économiques. Il y avait un temps? J'ai plus que 2 minutes. D'accord, il y avait un temps. Il y avait un temps. Donc à 30, 38, je serais mort. Faut que je me dépêche alors. Allez, dépêche. Dépêche. Putain, j'arrive pas à croire qu'il y avait un temps. Je suis trop con, j'aurais regardé. Je m'arrête comme un con. Ah, la gueule. Allez, dépêche. Il met 3 plombes. Mais non, c'est pas possible. Ah, je vais me chier sur une mission. Quel con. Pourquoi je me suis arrêté? Pourquoi je suis aussi con? Oh la gueule. Allez, plus vite. Ah, c'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Falloir que je me dépêche. Faites que j'apparaisse dans la bonne direction. Amen. Ça fait 1 minute. C'est là qu'on se rend compte que l'épisode passe vite en fait. Allez! Allez, putain! Allez! C'est parti! On se dépêche. Delay, Mike Alpha Romeo. Federal
Ok, non, c'est mort. C'est mort, c'est mort. C'est mort parce que le temps que je charge le menu de mission, ce sera mort. Ah, fait chier. J'ai chier dans la colle. Allez, hop, service de spatioport, vite, 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 ça va se jouer à rien, tableau de mission, vite, 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 ça se joue à rien, 8 secondes, 7 secondes, fou putain, oh là là, ça s'est joué, regardez les 39, c'est fini, là c'était fini, oh putain. Parfait. Oh la gueule. Ah c'est con, on aurait pu faire ça aussi. Non, il est possible que vous ayez affronté des vaisseaux hostiles. L'interdicteur FSD vous permettra de faire aussi. D'accord. Zone de conflit du système, d'accord, vous venez récupérer votre récompense près de moi à la station Trin Enterprise. Bonne chance, commandant Marcus Bonus. D'accord, d'accord. Ok, bon bah au moins on est sorti à temps pour cette mission. Faire le plein, ravitailler tout. Contact, effectivement. Encaisser les primes, 40 000, c'est toujours ça de prix. À ce rythme là, les 450 millions, les 500 millions, on va se les faire assez rapidement. Cette blague. Hop. On entre dans l'hangar et on va se laisser là pour cet épisode les amis, encore une fois, merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam joueur de la Playroom, ne pas trouver le lien en arrière de la chaîne, quant à moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom qui est à bout de souffle, à plus pour d'autres aventures, salut les gens et yop.